Voilà, donc on a pris un petit peu de retard, donc je vais vous présenter très rapidement la chaire UNESCO Pratique Émergente en Technologie et Communication pour le Développement, et ensuite on enchaînera sur le colloque et l'explication donc de la partie scientifique du colloque, ainsi que son déroulement. Alors, la chaire UNESCO, c'est un label, comme ça a été expliqué tout à l'heure, accordé à un programme, à une recherche, à des chercheurs qui travaillent sur un certain nombre de thématiques en lien avec les priorités de l'UNESCO, qui sont donc tout ce qui concerne l'éducation et la science technique, mais plus précisément les questions qui sont liées à la culture, diversité culturelle, les questions qui sont liées à l'Afrique, c'est une grande priorité de l'UNESCO, et aussi les questions qui sont liées aux technologies de l'information et de la communication. Donc notre chaire a été créée en 2014, en accord donc avec le président de l'université et Irina Bokova, qui était à l'époque responsable de l'UNESCO, pour travailler sur les problématiques qui sont liées aux technologies de l'information et de la communication et à leur usage dans les pays en développement, principalement en Afrique, et surtout pour voir dans quelle mesure ces technologies dites nouvelles participent à l'amélioration des conditions de vie de ces populations-là. Donc c'est une thématique assez large qui nous permet d'aborder d'année en année les points que nous souhaitons aborder, mais étant donné que la chaire UNESCO, c'est un réseau, ça nous permet de travailler donc avec un certain nombre de nos collègues qui sont dispersés dans plusieurs pays. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Et avancer encore, voilà, donc... au niveau de cette chaire, nous sommes trois de l'université Bordeaux-Montaigne et nous avons des collègues qui sont à l'université de Lomé, de Costa Rica, Cerco, Côte d'Ivoire, de Mexique, Espagne, Kenya, mais aussi tout un ensemble d'autres collègues qui travaillent avec nous sur cette thématique-là. Et nous avons choisi... de travailler sur tout ce qui est émergent, donc ce qui nous permet de passer d'un objet à un autre. Nous avons beaucoup travaillé sur la téléphonie mobile, ensuite on a travaillé sur les objets connectés, après on a travaillé sur les questions de données, et maintenant plus précisément sur la question de l'intelligence artificielle. Et donc pour animer nos recherches, nous avons créé une revue, la revue Communication, Technologie et Développement, qui est une revue en ligne sur la plateforme Open Edition, donc qui permet de publier ces travaux-là avec une spécificité. Nous partons de la volonté que chacun puisse publier dans sa langue. Et donc, nous rassemblons dans cette revue des publications qui sont en français, en anglais, en portugais, mais il nous arrive aussi d'avoir des publications qui sont Bahasa Indonesia, des publications en Swahili ou des publications en Wolof. Donc, on s'inscrit vraiment dans la démarche de la diversité culturelle. Voilà, nous avons donc publié notre dernier numéro, le 10e numéro, il n'y a pas très longtemps. On a au total à peu près 134 articles publiés et... nous arrivons par an à avoir 30 000 lecteurs, 30 000 visiteurs sur ce site Internet et nous espérons que nous pourrons aller plus loin dans les jours qui suivent. Donc, nous avons fait un certain nombre de publications et surtout noué un certain nombre de partenariats. Nous avons beaucoup travaillé avec
l'Agence universitaire de la francophonie, non, plutôt avec l'Organisation internationale de la francophonie, même si nous travaillons aussi avec l'agence. Avec l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons fait un certain nombre de publications, de rapports sur l'état de la francophonie dans le domaine du numérique. Et nous avons engagé une série de recherches sur les indicateurs de l'universalité d'Internet. Hein, et je salue la présence de Xianong qui coordonne cette partie à l'UNESCO, parce que l'UNESCO a mis en place, je pense que vous allez revenir là-dessus, un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle DOAM, et qui nous permettent de mesurer l'appropriation de l'Internet dans les différents pays. Nous avons fait un travail là-dessus au Bénin. Nous sommes en train de travailler là aussi actuellement sur le Niger et prochainement certainement en Côte d'Ivoire. Et en fonction de la volonté de l'UNESCO, on continuera à assurer ce travail-là. Et nous travaillons aussi actuellement avec l'Agence française de développement. Il y avait Peter Addo ici, je ne sais pas, il a changé de place, je ne le vois plus. Il n'est peut-être pas au courant de cela, puisqu'il est responsable, il est à l'agence. Mais c'est avec une autre direction que nous travaillons sur les pratiques informationnelles des acteurs du développement. Et donc, nous travaillons dans une dizaine de pays africains pour voir quelles sont les stratégies de veille qui sont mises en place. Quelles sont les informations qui sont recherchées, mais aussi voir comment est-ce que les publications de l'Agence française de développement sont acceptées, appropriées dans ces pays-là. Et nous avons aussi des projets, notamment un projet très intéressant sur lequel nous travaillons actuellement, c'est la création d'un observatoire sur l'intelligence artificielle en Afrique, et on espère que l'UNESCO, par le biais de Madame Ou, va nous appuyer là-dessus. L'AFD également sensibilisée sur cette question, et la Commission nationale économique des Nations Unies pour l'Afrique aussi est intéressée par ce projet sur lequel nous travaillons. Nous avons très récemment réalisé un challenge web-série sur l'intelligence artificielle, et je salue l'équipe du Sénégal, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais on reviendra sur cette question-là, qui a gagné ce challenge, qui a été organisé dans plusieurs universités africaines. L'idée, c'était de créer une web-série pour présenter ce qui se fait dans chacun de ces pays en termes d'intelligence artificielle. Nous avons eu une dizaine de web-séries qui ont été créées, et donc c'est l'université du Sénégal qui a gagné ce challenge en question. Donc nous avons plusieurs activités comme ça que nous menons au sein de la chaire UNESCO, et nous ne demandons qu'à avoir des partenaires sur toutes ces initiatives pour que nous puissions ensemble aller plus loin. Voilà en gros présenter un petit peu les activités de la chaire UNESCO. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue, donc le professeur Étienne Damom, qui est également membre de la chaire UNESCO et qui récemment a été nommé donc vice-président de l'université, donc qui a un programme aussi chargé, mais qui est là aujourd'hui avec nous. Il y a également notre ami Noble Akam qui était là, qui n'est pas avec nous, mais qui fait partie aussi de la chaire UNESCO. Alors j'en profite quand même aussi pour que je n'oublie pas. Je sais que Étienne va revenir là-dessus, mais ce colloque, si on a pu le réaliser, c'est grâce au soutien d'un certain nombre de collègues et d'institutions avec lesquelles on travaille depuis très longtemps, qui nous font confiance. Hein. Et ce colloque s'inscrit dans le cadre de la saison Africa 2020. Et la responsable Ngon Fall viendra demain, nous parlera certainement de cette saison Africa 2020, qui est un projet du président Macron, et donc qui a été disséminé dans toute la France. Et donc, par le biais de ce projet-là, nous avons pu avoir le soutien du ministère de la Culture, qui a sollicité l'AFD et l'Institut français pour pouvoir nous aider à la réalisation donc, de cet événement. Nous avons également aussi le soutien de
la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc, je remercie ici M. Jean-Paul Adam et M. Maktar Seck pour le soutien qu'ils nous ont accordé. Nous avons le soutien de la Fondation Anthony Mengene qui, à chaque événement, à chaque sollicitation, a toujours été, été présente. Et donc, je salue votre présence, Daniel et Marc, pour nous, de nous accompagner dans nos différentes actions. Alors, je remercie la région Nouvelle-Aquitaine, je remercie Huawei, je remercie également la chaire Défense aérospatiale, hein, qui est une chaire de l'Université de Bordeaux, qui collabore avec nous et qui nous soutient aussi dans nos différentes démarches. Je remercie Serco, le président de cette université privée, est membre de notre réseau de la chaire UNESCO. Il contribue également à nous soutenir dans nos différentes actions. Je remercie Marc qui nous a également soutenus malgré le fait que tu es toujours présent à toutes nos activités, mais à travers aussi le GIS Albatros. Donc nous avons pu avoir un soutien qui nous a permis d'organiser cet événement. Nous avons aussi des personnalités présentes. Alors, si je commence à citer ici, je vais en oublier certains, mais je voudrais quand même souligner ici la présence parmi nous de monsieur le recteur de l'université Abomey-Calavi du Bénin, qui a pu faire le déplacement jusqu'ici. Voilà, et tous les autres participants, monsieur Peter Ado de l'AFD, madame Tianang de l'UNESCO, monsieur Gatti de Thales. Et là, je pense que je me suis lancé dans une, quelque chose d'assez périlleux. Voilà, et tous les autres partenaires. Bon, Étienne aussi. Merci. Merci Alain. Donc, ça fait une partie hein, de mon intervention qui est réglée comme ça. Je vais aller donc tout droit à la présentation du colloque pour rappeler tout simplement que ce colloque s'inscrit un peu hein, dans la lignée des recherches de la chaire UNESCO Pratiques émergentes des technologies et communications pour le développement. Que plus précisément, ce colloque-là se situe dans le prolongement de celui de 2019 qui avait été déjà consacré à l'intelligence artificielle mobilisée dans tous les champs hein, du développement de l'agriculture à la production industrielle dans des contextes à faible infrastructure. Après, j'allais dire le plus avoir, il semble maintenant urgent de penser le plus être, ou le mieux être, si vous voulez. Et précisément parce que, effectivement, au moment où on initiait cette thématique-là, il nous semblait plus urgent de parler un peu du plus avoir, dans des contextes considérés, évidemment, comme manquant d'infrastructures, etc. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de centrer nos réflexions plutôt sur la contribution, si c'est le terme qu'il faut employer, de l'intelligence artificielle dans l'innovation sociale. En tout cas, tous les enjeux que suscite cette innovation technologique dans la vie sociale, dans la vie des acteurs, des hommes. Car si l'intelligence artificielle déstabilise nos pratiques, les pratiques sociales, les pratiques culturelles, elle suscite également quand même de nombreux espoirs. Et il nous appartient de ne pas d'éviter le double piège ou double écueil hein, d'une crainte compulsive par rapport à ce que cela pourrait générer. Et au contraire d'une admiration béate, hein, et on pourrait nous faire ce reproche-là aussi. Le plus important, je pense, c'est de penser sereinement le rôle de l'humain dans ce processus technologique,
la place de l'humain au travers de l'analyse, de l'observation des usages, des représentations, mais aussi de l'analyse des acteurs sociaux, précisément des stratégies qu'ils mettent en place, des actions qu'ils mettent en place, et évidemment donc les fonctions qu'ils font remplir à ces dispositifs-là. Il s'agit en gros donc de réintroduire la dimension sociale dans l'approche d'un objet pour lequel l'accent est souvent mis sur la technique et qui pour cela évidemment a engendré un peu beaucoup d'incompréhension. Dans la mesure, effectivement, on a souvent l'impression que les aspects sociaux, éthiques, organisationnels, les aspects administratifs, commerciaux, sont négligés. Enfin, les aspects commerciaux font partie un peu de ce qui est valorisé pour le coup. Mais en tout cas, c'est un homme d'éléments qui ne relève pas directement, qui ne bénéficie pas directement des avantages liés à l'innovation technologique. En ce sens, cela semble un peu négligé. Et pourtant, ce sont évidemment des composantes indispensables hein, à l'épanouissement des innovations, quelles qu'elles soient. Ce sont ces thématiques que nous allons aborder dans les plénières, mais aussi dans les tables rondes et les ateliers, les différents formats qui ont été retenus pour animer un peu nos échanges durant ces deux journées. Vous avez le programme, je ne vais pas le dévider devant vous. Je rappelle simplement donc que, en fonction de vos intérêts, vous aurez donc évidemment des conférences en plénière, vous aurez des tables rondes, mais vous aurez aussi des ateliers en parallèle, des ateliers thématiques qui abordent tous les aspects donc, que nous avons retenus pour cristalliser nos échanges. Il ne me reste plus qu'à nous souhaiter d'excellents travaux. Merci.